Bon, ben, en route pour le premier café. Je sors de la Pointe-au-Père. Pour ceux qui arrêtent à la Pointe-au-Père, là, ça se trouve être sur le quai. Là, justement, c'est à côté du musée où il y a le gros sous-marin. Vraiment un cool spot. Mais il y avait du monde. Il devait y avoir au moins une trentaine de VR, là, toutes les sortes. Là, les caravanes aménagées, les pleasureways, les road trek, des trucs de même là. Il y avait même un Volkswagen Station qui fait un peu comme moi là, qui a décidé d'y aller avec les moyens du bord. Puis de triper le voyage pas cher, pas cher. Fait que j'essaie de me trouver un petit café. Hey, la police est de bonne heure sur le piton. 5h30, il y a quelqu'un qui se fait arrêter. Ouais. Ben baptême, un Tim Hortons pis du gaz. On va pouvoir savoir comment ça m'a coûté plutôt pour me rendre ici parce que je me suis stinké à la maison. J'ai roulé. Puis là, c'est le temps de remplir ça. Je vais vous dire ça comment que ça coûte pour se rendre ici. Ouais, ben ça m'a coûté. Ça m'a coûté 80. Pas 80, mais plutôt 79. La même affaire que quand je me suis tanké à la maison. Fait que finalement, c'est du gaz. On s'en va à Sainte-Flavie. C'est là que ça va commencer. Et pour ceux qui passeraient dans le coin de Baie des Sables en faisant le tour de la Gaspésie, ben arrêtez à la fromagerie du littoral. Excellent fromage, excellent service. En plus, en face, il y a une halte routière. On peut déguster ça en regardant le fleuve, la mer. Ouais, un beau spot. J'ai décidé de me payer tout un trip quand que je suis venu la première fois en Gaspésie. J'avais passé par Saint-René-de-Matane. J'ai été monté le Mont Collins dans la réserve faunique. Puis j'avais vu des paysages de fou. Surtout le lac Matane qui avait été super impressionnant. Ça fait que j'en retourne. Je vais vous montrer ça. Puis on m'a conseillé aussi d'aller au lac à la Truite. Je vais peut-être aussi passer la nuit là. L'air d'avoir un camping, là. Ça fait qu'on va sortir la tente ou on va coucher dans le char. Je l'ai monté pour ça, ce véhicule-là. Ça fait qu'on s'en va faire de la route de terre. Ceux qui passent par là, Saint-René de Matane,
c'est à voir. Allez en Gaspésie, là, faites le détour, c'est comme le Rocher Percé, là, c'est un incontournable lac. On voit ça partout sur les internets, le lac Matane, je vais vous montrer ça. Pour ceux qui ne savaient pas ça, mais ici, là, c'est territoire public. C'est à tout le monde. Fait que bon, il faut en profiter. C'est gratis. Fait que là, je vais aller. On va aller essayer un petit sentier. On va aller voir ça ressemble à quoi. C'est supposé de pas nécessairement faire. Yep, boy. Assez sauvage. Ouais, ça, j'espère qu'on va voir un beau point de vue en hauteur du lac. Je suis allé quand même assez à l'aise. Pas d'eau, pas de bouffe, juste la GoPro, ma caméra, mon téléphone. Puis on essaie de faire vivre l'expérience au monde de ce que c'est le lac Matane. On va aller voir, soit de ce qu'on voit. Le lac Matane, ça va-tu monter ou le lac du Gros Ruisseau? J'ai pas de carte argent, on improvise. On va aller peut-être voir le lac Matane. Fait qu'on va aller voir, ça dit quoi? Qui se demandaient c'était quoi cette plateforme-là, ça c'est pour tous ceux qui font le SIA, le Sentier international des Appalaches. C'est le genre d'infrastructure que tu as quand tu t'en viens faire au-dessus de 600 km. Puis en plus, à l'entrée du sentier, on a vu tout à l'heure là, service de ravitaillement aussi. Ça fait que belle organisation, super cool. We'll be right back.
s'en retourne vers Matane. Il y a de la mouche. La mouche! Ça fait que je sais pas combien de temps je vais rouler sur les routes de terre, mais on va aller apprécier quand même le paysage. Parce que ça, j'ai l'impression qu'on va monter un peu dans les montagnes de ce que j'ai cru voir. Ça fait que ça va être le fun. Hein? On continue à vous montrer ça. Le 4 qui est quand même malgré tout un chemin principal. On va monter cette petite côte là. Parce qu'en haut, c'est fou. Ça, c'est bon, ça. Un arbre en plein milieu de la trail quand ça fait 3 heures que tu roules. Fourré, j'en tourne pas de bord, moi, là. Mais je pensais pas qu'en traînant du kill à batterie pour la fun, j'aurais pas un petit peu de bois coupé, là, pour me faire un petit feu. J'aurais jamais cru que c'était pour couper un arbre baptême qui est en plein milieu de la trail. Hey, ça fait partie de l'aventure. Ça naît de l'aventure. Wouh! Essaye ça, cette petite trail-là. Hey, c'est une job pas mal. Yes, sir! Hey, on peut continuer l'aventure.
Yes, sir. Yes, sir, de la chouette. Ben, j'ai fini par l'avoir. À un moment donné, je commençais à être découragé, là. Ben, beau aimer ça, faire du chemin de terre, mais à un moment donné, il faut que ça aboutisse. Fait que là, on se retourne vers le bord du fleuve, là, Matane, c'est ça, aujourd'hui, mon but. Fait que ceux qui veulent faire cette road trip-là, là, équipez-vous un minimum quand même pour avoir du gaz en masse. Être prêt, justement, à battre un peu de stock parce que c'est des chemins qu'il n'y a pas grand monde qui fréquente, tu sais pas depuis quand que ça est... Depuis qu'il y a quelqu'un qui a passé, puis là, vous avez vu, là, j'ai coupé une coupelle d'arbre, là. Pouf, c'est de la grosse ouvrage. Fait que, tu sais, c'est des fois qu'il arrive quelque chose, une crevaison, tu sais, de la bouffe. Parce qu'il n'y a pas de signal non plus, c'est l'air. Fait qu'il faut être capable de marcher un peu aussi, là, si jamais il y a quelque chose, là. Même si c'est pas le genre de choses que je recommanderais. Je préférerais peut-être attendre que quelqu'un passe, parce que quand même, là, on n'est pas dans le désert, là. Dans une réserve faunique, il y a des travailleurs forestiers, il y a du monde qui passe quand même un peu, du monde comme moi, là. J'aurais eu quelqu'un qui aurait été en panne, j'aurais bien aidé, ça m'aurait fait plaisir. Fait que là, on continue en prenant un beau petit chemin d'asphalte, ça va être plaisant. On va être capable de faire plus que du entre 20 et 50 km/h. Bon, ben, j'ai un char dans le cul, ça fait que j'y vais. Ciao! Quelqu'un qui ne trouve pas ça beau. C'est incroyable. C'est beau le Québec, c'est beau la Gaspésie. Love should be easy. Why should it not? When all you want is to be loved, is to be loved. But love ain't easy. You taught me that. I let you in, now you want out, now you want out. I don't understand why you hurt.
même venir au camping du Mont-Jacques-Cartier, c'est une aventure. Chemin de terre, trou, on dirait que c'est un classique. Ça fait que ça a été une belle journée, là. On a vécu bien des aventures. Ça fait que là, je vais dépacter mes affaires, je vais m'installer, je vais faire du montage. Puis j'ai hâte de voir aussi, quand je déroche, c'est comme si je déballais un cadeau, là. Des fois j'ai des belles surprises, des fois ça vaut pas cher, mais ça fait partie de la game. Ça fait que, à ce soir, montage! Ouais, ben c'est un beau petit coin, mais il fait un peu chaud, tu sais, pogné entre les montagnes là, puis les épinettes, ils vendent pas bien, ben, ça fait que on transpire. Mais tu sais, ça se fait bien, là, le chemin est un peu rocailleux, mais c'est accessible en tout cas à date là, à la plupart du monde, là, mais c'est difficile, j'ai l'impression, un petit peu plus loin. À cause de l'inclinaison, puis aussi, veux pas, avec l'inclinaison, s'il y a de la longueur un peu, ça vient tough. Ça fait que là, pour tout de suite, ça va bien, là, on s'hydrate tranquillement, je cours pas non plus. Là, c'est le fun, je suis parti un petit peu plus tard que les autres, là, ça fait que je les ai laissé prendre un petit peu d'avance, un bon 5 minutes, ça fait que je suis comme tout seul, il y a personne en avant, personne en arrière. C'est chill, ça fait que on continue à en profiter. Je vois un petit peu de neige et c'était là, c'est plaisant, ça fait beau, c'est propre. Fait qu'on continue à marcher. Dans le fond, ça se fait super bien pour, tu sais ce que c'est là, c'est quand même le deuxième plus haut mont dans l'est du Canada. Pour m'être tapé comme le mont Albert d'après moi, là, ça c'est le plus tough quand tu fais le tour, là. Puis dans mon coin, là, le mont Ham, là, la dernière partie est vraiment tough, puis ça, c'est pas ça, là, ça se fait super bien. Puis aussi le mont Saint-Joseph à Mégantic, ça donne un tough aussi. Pour ceux qui veulent un vrai challenge, là, ceux qui descendent dans le canton de l'Est, là, ces deux monts-là. Surtout le mont Saint-Joseph, on dirait que quand ça commence, ça n'arrête plus, là, jusqu'en haut. Là, c'est vraiment du gros cardio, c'est dur, c'est mollet. Puis le mont Ham pour la vue, puis en même temps... La dernière petite bout, là, il est tough, là. Ça fait que c'est sûr que c'est familial, là, mais c'est là qu'on se rend compte qu'on prend de l'âge. Bon, un choix s'impose. À gauche ou à droite? Hey, c'est clair qu'au mois de juillet, on va à droite.
là, je viens d'avoir un caribou, aux affaires qu'on voit pas souvent, ça. Il était loin, là, il était sur la crête, là, mais clairement visible, un beau gros caribou, avec des gros pois. Ouais, faut que je regarde, tu sais que je marche, hein? Il y a de la roche. Ouais, ben, ça se fait super bien, là, mon... L'on redescend. Apparemment que ça prend 2 heures à descendre, mais ça a été pas mal moins long à monter. Fait que d'après moi, ça va être encore moins long à descendre. Puis c'est familial. J'ai croisé des enfants, des personnes âgées, puis il y a le dénivelé là quand même. C'est facile. Fait que c'est à voir. Il faut venir, par milliers. Venez donc par milliers. Je quitte le parc du Mont-Jacques-Cartier pour m'en aller vers celui de Forillon pour aller faire une petite randonnée, une petite ou une grosse, je ne sais pas trop, mais je vais aller voir le fort de Cap-Gaspé. J'ai déjà été dans Forillon, j'ai été faire une rando là, une dizaine d'années. Fait que là, j'y retourne. On va aller faire ça, puis entre les deux, ben, on fait de la route, puis on profite du rivage. De monter un chemin pour aller voir un fort qui s'appelle le fort à la renommée. Encore un beau petit chemin de terre. J'adore ça, ça brasse un peu. Ouh. Fait que c'est marqué site historique. On va aller voir, Ouais, bon, on va filmer l'arrivée. Des fois, c'est là qu'on... C'est là que je trouve ça cool, là, quand on, le paysage, le panorama se déploie. On filme ça. Randonnée là, tu sais, c'est plaisant là, quand tu fais une couple d'heures de route là. On se dégourdit les jambes, on apprécie le paysage. C'est peut-être un peu gris aujourd'hui, mais on dirait que ça met de l'ambiance. Oups! Un petit suisse, il m'a fait faire le saut. Puis je pense que le spot est peut-être un peu loin de la route, 4 km. Mais ça vaut clairement la peine. Je pense que c'est un petit trésor que. Il faut pas passer à côté de ça. Si on vient en Gaspésie, il faut venir voir ça. Juste pour le travail de menuiserie qui a été fait là, c'est super. Je pense que je radote. Super, super. Non, je pense que ça vaut clairement la peine de venir faire un petit tour au fort de la pointe. Le fort de la pointe de la renommée. Ouais. Vraiment un beau coin. Ouais, ben,
on est en mode exploration à la pointe de la renommée. Il y a un autre petit raccoin encore dans un beau petit chemin qui nous fait shaker la caméra. La pointe de la canne, quelque chose de même, là. Cap de la canne. En tout cas, petite pancarte verte avec un nom. Ça nous dit que c'est normalisé, d'après moi. Ça fait qu'on va aller voir au bout de ça. Je vais aller voir. Mais ça a été bulldozé, là, le bord de chemin. C'est comme si ça avait été creusé dans la montagne. Ben, c'est le fun, on a une belle vue. On a une belle vue. Ça vaut la peine de prendre les petits chemins de terre et aller voir qu'est-ce qu'il y a au bout. C'est juste du plaisir. À part que ça nous fait shaker la caméra. Mais quand même un petit rendu qui va être de meilleure qualité avec la GoPro qui pointe dans le même sens. Sauf que vous me verriez pas la face. Ouais, ben il y a clairement pas un chat ici. En plus, la place, quand même cool. Tu sais, des fois, tu voudrais venir chiller ici. Il n'y a pas personne qui va t'achaler. Ça m'a pris 15 minutes de venir ici, plus le détour du petit chemin de terre que je viens de prendre. Fait que, tu sais, quand on dit que la Gaspésie, il y a moyen de s'organiser avec nos affaires. Ben ça, ça en est un petit coin là, qui est cool. On est passé une petite soirée tranquille avec la nature. La nature, le fleuve. Ouais, c'est hot. Fait que je vais aller prendre une petite marche. On va aller faire un petit tour sur le bord de la grève. Ouais, ben des fois ça prend pas grand chose pour défaire un petit setup. Ben, moi je pensais que ça serait une bonne idée. On s'en va faire de la randonnée. Il va pleuvoir, ça va être cool. On est équipé pour. Mais. Passer à soirée à grosse pluie, même pas capable de me faire mes petits hot dogs. Ça c'est triste. Mais fait qu'à soir, on va chiller au son de la pluie. Ça va être cool. Pas si cool que ça. Je peux pas manger mes petits hot dogs, ça c'est triste. Puis j'essaie de me trouver un petit cool spot pour passer la soirée, mais avec la pluie, le vent pis tout, c'était moins plaisant un peu. Ça fait que j'ai décidé, j'ai concédé le fait qu'il fallait que je m'installe dans un camping.
Mais au Cap Bonami, c'est cool, c'est vraiment une belle place, mais là, je me suis fait avoir. Il pleut, et puis il vente. Yeah. Je pense à me faire des bons petits hot dogs en arrivant. Je décide de m'installer une petite toile crème, et binder qui est pété. Fait que là, ça va pas bien. Fait que j'ai décidé à la place de chiller dans le char. J'ai sorti du prêt à manger, des bons petits chips au vinaigre avec deux petites bières. Puis, ouais, c'est vrai, les petites feuilles d'érable, un petit peu de sucré, c'est toujours bon. Puis, pour être sûr de pas trop s'endormir vite, une petite boisson énergétique, là, question de rêver aux autres. Tu sais, la grosse gastronomie, là, setup, là. À soir, ça se passe ici. Ouais, à soir, ça va être pépère. Ouais. Fait qu'on va se coucher dans l'humidité. Puis, ça va être ça, je pense. Bonsoir. Je quitte mon site de camping au parc de Forillon. Je pense que je suis sur le côté nord. Je crois. Dans le fond, c'est celui où ce que le Cap Bonami, là, celui qu'on voit les photos avec la roche là, un peu spéciale. Là, ça fait que c'est un incontournable. Je vais aller faire un petit tour là. Puis je pense que je vais venir pour 2-3 minutes. Là. C'est justement, je suis venu ici il y a quelques années. Puis, c'est dans ce camping-là que j'avais arrivé par hasard. Puis c'est là que j'avais découvert le Cap Bonami. Ça fait que je vais aller vous montrer ça. Fait qu'après cette petite escapade au Cap Bonami, on prend la 132, après ça, il faut qu'on fourche vers Cap aux eaux. Au bout de ça, il y a un stationnement, puis après ça, ben la randonnée pour aller à la fin du monde commence. Yeah. Bon, ben on est parti pour un 4 km. Fait que moi, je suis genre tout le temps à partir à la dernière minute, fait que je dîne pas. En train de faire une petite barre énergétique. Ça fait la job en masse. On a de l'eau en masse, puis j'ai traîné des grignotines. Fait que là, on devrait être pas si pire. Encore une belle petite place. Le départ est sur le rivage. Puis là, je me demandais tout à l'heure en marchant si ça serait pas un cul-de-sac. Mais finalement, je viens de voir qu'il y avait des marches. Fait que même si le départ est un peu bizarre, ben là, tu sais, on le voit pas du rivage, là. Mais j'ai persisté, j'ai bien fait, parce que dans le fond, c'est comme 300-400 pieds plus loin. Fait qu'on monte ces petites marches-là, puis on a 4 km à faire pour arriver au bout de la terre. On va aller voir ça si la terre est plate. Ouais, ben ce qui est cool de la Gaspésie, justement, c'est que c'est sur le bord de la mer, puis on n'a pas ça, nous autres, quand on glisse. Fait que je m'imprègne de l'ambiance tant que je suis capable. Puis en plus, ben, il y a toujours l'odeur de la mer que je trouve vraiment émoustillante. Je sais pas trop. Ça sent bon.
entre l'eau. L'eau salée, je ne sais pas, l'air, tout ça mélangé avec la nature, comme les épinettes, le foin. Le foin, 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 foin. Ouais. Fait qu'on en profite au max. Bon, on est arrivé au bout de la terre, fin de la terre, il va falloir que je regarde ça, pas sûr. La fin de quelque chose en tout cas, la fin d'un bout de terre, de la roche ou je sais pas trop. Fait que c'est tellement brumeux là, qu'on voit même pas la mer, on l'entend, on a l'impression qu'on est sur une autre planète. Mais bon, regardant en bas, on voit rien, c'est tellement brumeux, on est tellement en haut, j'ai l'impression. Là, je suis en train de descendre un petit sentier, je sais même pas où c'est que ça nous mène. Mais je suis clairement arrivé au bout. Je pense que ça, c'est juste un plus. C'est du bonus. On va aller voir. Ça. On est ici dans le fond pour randonner, visiter, se gâter. C'est sûr que ça descend. Il va falloir que je remonte. C'est ça le pire. Puis après ça, ben on redescend parce que. J'ai monté quand même pas mal tout le long pour venir jusqu'au fort de la Pointe Gaspé. Finalement, ça s'appelle demain. Fait que... Bon, c'est, j'ai monté, là, je redescends. Va falloir que je remonte pour redescendre. Et ouais, on boucle la boucle. C'est un peu boiteux. J'ai pas sorti mes bâtons de randonnée. Je me suis dit que ce serait correct, mais là, j'espère juste que je me ramasserai pas sur le derrière, malgré moi. Ça serait de valeur. Le derrière dans terre. Ouais. Ouais, ça a l'air à se calmer un petit peu sur l'inclinaison. Je me sens quand même propre, là. On dirait du beau gravier. On n'est pas à travers les racines et les grosses roches. Fait que ça se fait quand même bien. C'est juste que. C'est ça. Il va falloir que je la remonte. Le sentier pour aller à Cap Gaspé, c'est vraiment à faire. Vraiment pas difficile, très familial. Il y a des bouts que tu marches comme là. Moi, je marche dans un sentier qui est plus rustique un peu, mais quand même super, super bien entretenu. Puis, il y a aussi, à travers ça, tu marches sur un sentier multiservice, là, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Là. À faire. Comme un matin aussi, je suis allé à Cap Bonami. Ça, c'est pas vraiment une randonnée, là, parce que tu débarques de là avec ton char. Puis tu fais une petite marche de 2 minutes, puis t'es rendu. Ça fait que j'appelle pas ça une randonnée. Là. C'est au bout du parking. Mais ça aussi, c'est à voir là, dans le parc Forillon. Là. Thank you.
Oui, bien, c'est ce qui va conclure ou presque cette petite randonnée-là. Moi, avant de quitter le parc, je pense que je vais me faire à souper. Je vais me frémer des petits hot dogs. Ça fait longtemps que j'y pense. Là. Je pense que c'est le temps. Oui, bien, les haltes routières, c'est pas mal plaisant. Ça nous permet d'être en tête à tête avec notre petit réchaud puis notre petite bouteille de vin qui est sur le bord. C'est ça, les vacances. On prend tous les petits moments pour apprécier ce qu'on a. Fait que là, ben, j'étais en train de me faire chauffer des petits œufs. On avait 6 à préparer, puis là, ben, ça a de l'air que je vais prendre le temps, vu que ça fait longtemps, ça fait comme une coupelle de jours, là, que la température est un petit peu maussade. Quand je suis arrivé dans le stationnement de la halte routière, ben, là, le gros soleil chauffe, fait que là, ça donne le goût de s'installer. Que je pense que c'est ça, je vais en profiter pour faire chauffer mes petits œufs. Après ça, je vais faire mes petits pains, mes petites saucisses. On va se couper des petits oignons pour manger des hot dogs. Ouais, des bons petits hot dogs. Ouais, ben je me suis trouvé un beau petit spot hier pour dormir. Ça, c'est grâce à Google Maps. On a des beaux outils de nos jours pour voyager. Mais surtout comme moi, j'aime ça me trouver des cool spots. C'est pas toujours évident, parce qu'à un moment donné, t'arrives à des places... vu du satellite, c'est cool, mais quand tu arrives sur place, c'est occupé, c'est pas évident à se rendre. Des fois, on va au-delà des limites du véhicule. Il faut quand même faire attention parce que des fois, quand on est un petit peu loin, on pourrait être dans le caca si on reste pris là. Puis aussi, quand on fait ce genre de voyage-là, faut toujours être respectueux parce qu'on est en visite. Ça fait que le Leave No Trace, c'est important. On couche là, mais quand on quitte, c'est important de ne pas laisser de traces. Parce que c'est ce genre de choses-là qui fait qu'à un moment donné, ben, on perd le droit de pouvoir profiter de cette nature-là. C'est peut-être ça aussi, à un moment donné, vu le côté populaire que la van life peut avoir, ça l'amène à un moment donné toutes sortes de gens. Puis il y en a qui sont peut-être pas nécessairement conscients de ces choses-là. C'est important d'éduquer les gens par rapport à ça. On est en visite, on fait attention. Ça nous permet justement, là, la Gaspésie sont vraiment open... à la visite. Il faudrait pas qu'on se fasse fermer des portes justement parce qu'il y en a qui ont été respectueux. Il y a eu un manque de savoir-vivre. Quand on va chez des amis, c'est un peu le même principe. Il faut toujours avoir cette vision-là. On reste... qu'on ait de la classe. Ouais, je m'étais trouvé un beau petit coin pour faire du montage puis relaxer à matin, mais là, faut que je lève le camp. L'orage se lève, j'entends le tonnerre à l'horizon, puis là, il a commencé à pleuvoir, ça fait que... Je pense qu'on va faire un peu de route. Bon, ben, j'ai fait un petit détour, j'ai sorti de la 132, j'ai pris un petit chemin... Je suis arrêté à la pointe Saint-Pierre. Une belle petite randonnée, mais qui est dure sous les bas de pantalon puis les sneaks. Il y a une petite bruine, il pleut un petit peu, mais là, je regarde le ciel, hein, ça a l'air à vouloir sans pas se dégager, mais on dirait que le soleil pousse un peu les nuages. Une belle petite place, c'est rien de compliqué. Hein. Une petite marche de 3-4 minutes sur un bord, puis ça fait comme un genre de T. Puis 5-6 minutes, j'ai l'impression, sur l'autre bord, c'est là que je m'aligne à travers le petit foin. Là. Il va tranquillement, en se faisant mouiller les pas de pantalon.
Fait que on progresse dans le paysage. C'est une belle petite place. Rien de compliqué, mais t'sais, on sort du char puis on visite les alentours. De toute façon, je suis pas à course. Fait que j'ai décidé de changer de pantalon, là, c'était assis, là, j'étais tout trempé. Fait que j'ai décidé de mettre le petit setup, là, du gant en vacances. On devrait être bien. Bon, j'ai décidé de faire un petit détour à la chute de la rivière aux Émeraudes. Une petite marche, j'ai l'impression qu'elle sera pas trop longue, pas trop difficile. Fait que j'ai décidé d'arrêter pour aller prendre quelques photos. C'est comme un point culte du secteur. Fait qu'on n'a pas le choix d'arrêter, mais il y a de la web bien du monde. Fait que je ne sais pas à quel point je vais avoir du plaisir, mais on ne perdra rien à y aller. Ça fait qu'on va aller découvrir un beau petit coin, la chute de la rivière aux Émeraudes. Bon, ben, belle petite randonnée. La rivière aux Émeraudes, pour aller voir la chute, c'est clairement un détour qu'il faut faire. C'est super beau. On se créerait dans les Caraïbes avec la couleur de l'eau. Mais avec la température, ça serait plutôt le contraire. On se créerait au pôle Nord. C'est frette, c'est frette. C'est pas parce que l'eau coule d'une rivière qui est nécessairement plus chaude que la mer. Hein? Faut pas se fourvoyer. Fait que pour se rendre là, c'est quand même assez facile. On s'en va au bout. Moi, j'utilise souvent là, Hidden Place, là, une application pour se trouver ces petits spots-là un peu cachés. Puis, suivez les indications. Pour se rendre à la chute, il y a quelques marches. Le sentier est un peu... aujourd'hui, il est mouillé, ça fait que c'est un peu glissant. On fait attention. Puis pour aller face à la chute, dans le fond, on sort des marches, puis il faut enjamber plutôt.
Il faut plutôt mettre les pieds sur quelques troncs d'arbres qui ont été mis là en ponceau. C'est artisanal, mais c'est la seule manière de se rendre sur la genre de le haut fond qu'il y a un petit peu plus loin. Donc, ça fait quand même assez bien. C'est vraiment beau. Il faut aller voir ça. Oui, ben encore un petit setup comme hier. Ça va être cool. Fait qu'un petit coin tranquille. Fait que ça, un bord, c'est comme un marais, puis l'autre côté, ça se trouve être... ben, t'as la voie ferrée, puis après ça, c'est la mer. Ça fait que ça va être cool. Fait que, de ce bord-ci, t'y vendent pas, parce qu'on est caché par justement le chemin de fer, qui est quand même assez haut. Mais ça veut rien dire. Hein. C'est peut-être la tempête, l'autre bord. Fait qu'on va aller voir... C'est une belle petite place. On va essayer d'en profiter en soirée. L'autre jour, je discutais avec un de mes chums puis qui me disait qu'elle allait faire le tour de la Gaspésie. Il me disait que lui, il préférait passer par le sud parce que la mer était tout le temps côté passager. Fait qu'il avait juste à se tasser puis profiter du rivage. Mais moi, je préfère passer par le nord pour ça. Je viens de débarquer sur l'île Bonaventure. On va aller randonner ça. Mais à se rendre ici, c'est une petite croisière obligée. Si on ne veut pas partir à 8h45, on fait le tour de l'île, ils nous expliquent tous les oiseaux. Puis il y a déjà eu du monde sur l'île, fait qu'il nous explique un peu l'origine de tout ça. Mais on n'est pas ça. On n'est pas sur le plancher des vaches. Il y a du monde. Fait que c'est un peu éprouvant. Ça se passe quand même pas pire, là, mais ça me sort un petit peu de ma zone de confort où ce que, comme d'habitude, je choisis ce que je veux. Là, une petite raille qui brasse. Pas le mal de mer, là. J'adore faire du bateau. Sauf que ce que j'aurais voulu faire, c'est y aller direct à 11h, pas à 8h45, où ce que je dormais encore. Fait que... ça a l'air d'être une belle petite place à faire, ça, par exemple. Là, j'ai pris justement un sentier où ce que personne n'a de l'air à vouloir emprunter. Question d'avoir un peu la paix, même si je suis pas un sauvage. On dirait que j'aime ça être dans ma bulle quand que je randonne. La nature, on dirait, ça m'apporte la quiétude. Quand il y a trop de monde, j'ai l'impression que je suis dans le centre-ville d'une grosse ville. Dans le bois, moi, habituellement, c'est moi, les épinettes, 3-4 oiseaux, un chevreuil, un petit jove qui se promènerait par là. Si ma blonde elle serait là, ça serait parfait. Mais elle est à la maison, elle travaille. Moi, je suis en vacances, j'en profite. Fait qu'on fait le tour.
même, hein? C'est clair qu'on peut juste avoir ça sur l'île. Yeah. Ceux qui voudraient profiter de cette vue-là, ça se trouve être sur l'île Bonaventure. Moi, j'ai fait le tour de l'île, j'ai passé par les mousses. C'est un circuit qui monte, puis après ça, en passant par le chemin des Rois, ça redescend. Ça a été conseillé par, par l'accueil dans le fond du parc. C'est beaucoup plus facile. Puis on arrive justement là sur le chemin des Rois, puis là, on a plein de petites maisons qu'on peut visiter. Il n'y a pas d'animation, là. C'est vraiment une visite libre. J'invite la populace à venir faire un tour à l'île Bonaventure. Une autre place où ce qu'il faut arrêter, c'était la microbrasserie Pit Caribou. Puis tant qu'à passer par là, ben il faut absolument arrêter aussi à la vieille usine. Puis aller voir un bon show. Fait qu'il y a déjà une petite bière qui m'attend à l'intérieur. Ça fait qu'on y va. Yeah. Je me suis levé de bonne heure un matin. Ouais. Que j'ai décidé de rouler tranquillement, pas vite, puis profiter de la lumière du matin. Un des avantages qu'il y a quand on roule puis qu'on prend son temps, ben c'est des fois on tombe sur des affaires comme ça. Un beau pont rouille. Avec le rivage rouille, ben on arrête. Puis on prend des photos. Dans notre bout, la terre est brune et noire. Puis il y a des ponts, on n'en voit pas tant que ça, là, surtout de ce genre-là. Fait que il y en a un beau autour du lac des Nations. Il y a tellement de monde, puis c'est comme un autre décor. Fait que j'ai pris le temps de prendre quelques photos pour pouvoir vous montrer ça. Thank you.
Ouais, ben j'arrive la plage au bord de Pabo ou Pabos, je m'en souviens de ma condition. Quelqu'un me dira ça dans les commentaires si on prononce le S ou pas. C'est vraiment beau. C'était tranquille le matin quand j'étais arrivé là. J'ai marché là un petit 10-15 minutes. Là, j'ai continué ma route. Là, je suis à la pointe au Corbeau. C'est un autre paysage à Pabos, Pabo. C'est du beau sable rose, rouge ou orange, dépendant comment qu'on voit ça. Super doux, qui est fun à marcher nu-pied. Du gros luxe. Tandis qu'ici, c'est différent, c'est du beau galet. Puis par où c'est du petit mini galet, de la petite roche. Un peu de sable, mais c'est surtout du petit galet. Mais c'est surtout les parois qui sont intéressantes. La plage n'est pas large, on a l'impression d'être seul au monde parce qu'il y a comme une. On est comme entre la mer, les parois. Ça fait comme un genre de C. C'est comme une petite minuscule P dans le fond. Fait que c'est intéressant. C'est beau. On va voir ça. Ça fait plusieurs jours que je suis en Gaspésie, puis là, c'est le temps pour moi de retourner à la maison. Je pense pas le faire d'une traite, je vais le faire par étapes. Aujourd'hui, je fais de la route, mais tranquillement, pas vite. Je profite de la vue, je fais des petits arrêts sur le bord de la plage, je marche un peu sur le bord de la plage, je me gâte encore, parce que dans les cantons de l'Est, on n'a pas la mer, ça fait que c'est le temps d'en profiter au maximum. Surtout quand ça tire sur la fin de même, il me semble qu'il y a comme une petite nostalgie qui embarque, puis je me rends compte que j'ai pas profité tant que ça de la plage. Puis là, surtout qu'on a une belle journée ensoleillée, là, c'est le temps. Fait qu'aujourd'hui, on profite de la plage. Ouais, ben mes plans ont changé pas mal au cours de la journée. Je sais pas si ça vous fait ça vous autres, là, mais on dirait que quand les vacances sont finies, mettons, puis que c'est le temps d'en revenir à la maison, je suis comme un cheval, on dirait, à la fin de sa journée. Je cours pour en revenir à la maison, je cours! Un matin, j'étais bien relax. J'étais à la plage à Pabo, Pabos. Je sais pas encore si ça prend un yes ou pas. Puis, je sais pas, j'étais moins dedans. La place était vraiment cool, mais on dirait que j'étais mindé, là. Tranquillement, pas vite, on dirait que ça me rentrait dans la tête que j'en revenais à la maison. Fait que là, plus tard, bon, je pense que je vais passer la soirée à Carleton. Ça va être cool. Ça faisait longtemps que je voulais aller voir ça ressemblait à quoi. J'étais allé voir, j'allais me prendre une petite bière à Marina, bien relax. Mais, c'était pas comme je pensais. On dirait que j'étais en train de décrocher de mes vacances. Puis même, j'ai arrêté aussi à Pointe-à-la-Croix. Pas encore. Fait que là, j'ai décidé de me taper à trail entre les deux. J'étais en train de traverser la vallée de la Matapédia. Au moins, le chemin, il est beau. T'sais, les vacances, quand tu vois ça, sont pas complètement terminées. On a encore des beaux paysages. La route est le fun à faire.
Je l'avais déjà faite, mais je l'avais faite de nuit. Là, je l'ai faite jour. Ça fait que ça me permet d'apprécier le paysage. Puis, je vais aller passer la soirée où c'est, j'ai commencé, dans le fond, mon road trip à la Pointe-au-Père. Il y a une place où, que, sur le quai, dans le fond, il accueille les... il y a comme une place, un parking dédié pour les vacanciers avec leur véhicule. Fait que je m'en vais là. Je vais aller voir le coucher de soleil. Au moins, ça va finir les vacances en beauté. Après ça, demain matin, ben, on descend tranquillement pas vite à la maison. On va sûrement arriver au début de l'après-midi. Ouais, ça fait que ça retourne à la maison. Comme je vous ai dit, en arrivant à la maison, je vous ferai une petite revue de l'intérieur de mon véhicule après que j'aie fait de la route. Que ça fasse une demi-heure ou 5-6 heures, comme ça m'a pris pour venir à la maison. C'est tout le temps le même principe. Dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je défais mon lit, puis je replace mes couvertes, je replace mes oreillers, puis après ça, je pile tout ce qui était à ma droite. En arrière de moi, dans le fond, j'étale pour que ça soit quand même ergonomique, puis je sois capable de me servir de mon appareil photo, de mon sac de rando, je replace mes bottes, mes trucs de même, pour que dans la journée, ce soit facilement accessible, fait que je vous montre ça. Fait que là, je vous montre, dans le fond, ce que c'est quand que je roule. C'est sûr que c'est le bordel, mais je voulais vous montrer ce que c'est en réalité quand que je roule sur la route. Fait que je prends tout ça, je l'envoie tout au fond là, je le pile tout le long, tout le stock que sur mon lit pour être capable de me faire une place pour coucher dans le fond. Puis dans le fond, comme on peut voir sur le côté, je me suis aménagé. Dans le fond, ça arrive comme ça, mais j'ai de la place pour pouvoir disposer mes chaussures quand que... Je pars du sol, puis là, je monte dans mon lit. Fait que je mets pas de la terre partout. Fait que je peux... c'est comme une petite tablette. Je peux mettre mes pieds, enlever mes chaussures, puis les glisser sur le côté. Où il y a même de la place, là. J'ai de la place en dessous pour plein de trucs. Là. Fait qu'en arrière, c'est comme d'habitude, c'est le Tetris à tous les jours, chaque fois que je me couche, il faut que je prenne le stock qu'il y a là, puis que je l'emmène là. En dessous, j'ai mon panneau solaire pour charger ma batterie pendant que je fais du montage puis qu'il fait soleil. La guitare qui est facilement que je peux facilement disposer sur le panneau solaire puis qui ne met aucune charge parce que quand même, c'est un grand morceau qui n'est pas trop pesant, puis ça me permet en même temps de disposer mon sac de rando facilement, je peux l'emmener en randonnée, j'ai pas à tout dépiler, il est là. Mon appareil photo qui est toujours sur le bord prêt à faire feu. Mon sac de photo que je dispose mes objectifs, mes batteries, mes chargeurs, puis tout ce que j'ai de besoin, puis un peu de trucs pour la GoPro aussi là-dedans. Fait que toujours aussi sur le bord, ben la crème solaire, dans ma porte l'autre bord, j'ai oublié de vous le montrer, mais c'est le stuff à mouche. En Gaspésie, il y a de la mouche, puis il faut en mettre du stuff à mouche. Parce que sinon on se fait grignoter. Ça ici, c'est un bac qui est dans le fond, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un peu n'importe quoi. J'ai une petite pharmacie personnelle dans le fond, des hauts brosses à dents, mon savon qui est là aussi pour prendre ma douche, des sacs puis des petites cordelettes. Au-dessus, c'est plus de la vaisselle. Je vais avoir les chaudrons, j'ai un bol, j'ai une assiette, j'ai des ustensiles, couteaux, puis différents trucs reliés à la cuisine. Le petit gaz à réchaud. Puis là, ben, par-dessus ça, j'ai mis tout mon linge pour être capable de m'habiller rapidement parce que sur le bord du fleuve, la température est bien changeante. Tu roules en auto, tu fais une demi-heure. Tu passes de 25 degrés à 15 degrés. Ça fait que j'ai tout le temps quelque chose de long parce que quand je fais de la route, je suis habillé.
Je suis habillé en short, en court, avec les barades dénudées, tout. Fait que là, j'ai quelque chose pour me couvrir le corps. Pantalon long. Le petit coton qu'on zippe rapidement. Un peu de linge à travers ça qui n'a pas rapport. Des bacs. Quand t'es aménagé dans un espace restreint, les bacs, c'est facile parce que tu peux gérer ton espace facilement. Tu peux l'aménager à ton goût au gré du voyage. Ça fait que j'ai choisi d'emmener deux bacs à bouffe. J'en ai un ici, puis j'en ai un autre là, qu'on va voir un petit peu plus loin, là, complètement en arrière de la glacière / frigidaire électrique. Je me suis fait une épicerie de 2 semaines. J'étais allé au feeling, puis j'avais traîné des bacs en masse au cas justement que j'aurais des trucs de même qui arriveraient. Là. Fait que j'ai bien fait parce que lui, il loadait bien dur, puis l'autre aussi. Mais celui-là qui est ici, ça se trouve être mon linge. Fait que j'en ai trop de linge, mais le bac est là. Fait que je l'ai rempli de linge. Fait que c'était du au cas quand on aurait besoin. La petite table qui me sert à porter mon réchaud. Quand le soir je fais du montage, ben je dispose mon ordinateur, ma souris, toutes mes gogos, c'est une belle grandeur. Ça ici, c'est ma toile pour faire. Comme je vais vous montrer tout à l'heure, je me suis fait une petite toilette compostable. Ça me permet de me faire une petite salle de bain improvisée. Puis je garde un minimum d'intimité. J'ai traîné aussi une coupelle de cartable pour jouer de la musique. C'est plus tranquille, je sais pas trop quoi faire. Ça fait que je sors la guitare et on joue de la musique. Fait que sur ce bord-là, on voit clairement que c'est un bac à eau. À côté, mon 5 gallons blanc, ça se trouvait de la rip pour remplir, pour utiliser ma toilette compostable qui est juste là. Avec le papier de toilette, lui aussi, il est prêt à utilisation immédiate. Ma petite caisse à batterie qui m'a sauvé la vie en randonnée, en road trip dans la réserve faunique de Matane. Pas voir ça, là, j'aurais été vraiment mal à mancher. J'aurais été pris pour rebrousser chemin. Ça m'a permis de continuer ma route. De l'huile, parce que je savais que je ferais bien du millage, puis j'en aurais peut-être de besoin, mais finalement, j'ai pas fait mon check-up. C'est ça qui arrive. Toujours un petit peu de la vitre. Ça, c'est bien plate quand tu roules puis que tu vois plus clair. On prend pas de chance. Le petit vin qui est sur le bord, toujours, quand on arrive, on se désaltère. On se met dans l'ambiance des vacances avec un petit verre de vin. Mon petit sac à poubelle qui est tout le temps proche de moi quand que je roule, je dispose mes verres à café, petite canette de liqueur, là, un sac de chips, fait que pour garder le véhicule propre. Mon petit réchaud qui est juste là, puis là, l'autre bord, ça c'est mon frigidaire, je vous montre ça, c'est en avant. En avant, c'est quand même assez simple, j'ai voulu garder ça facile parce que dans le fond, je voulais que le frigidaire soit facile à remplir quand je m'en vais à l'épicerie. Donc, pouf! Puis aussi ici, c'est ma serviette qui sèche. Puis en même temps, ça me sert d'espace pour pouvoir mettre... Là, ma caméra est en arrière, mais souvent, quand que je roule aussi, je vais la mettre sur le bord. Avec ma GoPro, des batteries, un chargeur que je mets là, avec les fils pour le téléphone, pour les batteries. Parce que toutes mes batteries, je me suis organisé pour avoir des chargeurs qui se chargent par... que je suis capable de prendre un fil, puis que je mets sur USB. Mon autre bac qui est rempli, c'est un petit peu plus sucré, un petit salé extra salé, ça fait que ça c'est le genre de truc que j'emmène en randonnée pour garder mes électrolytes. Mes petits pains à dog. J'ai une extension justement quand que je plug mon ondulateur, je suis capable de partir du compartiment moteur jusqu'en arrière. Ça fait que, tu sais, souvent je fais mon petit setup tranquille en arrière. J'ai comme un genre de pare-soleil par le panneau arrière. Puis là, j'accote ma chaise à terre. Puis là, je regarde le paysage qui serait genre quelque part par là. Le fleuve ou des arbres, comme ici. Là, je m'installerais bien ici là, pour faire du montage. Thank you.
Et voilà, c'est ça le setup pour la nuit. Ça fait que on vous laisse là-dessus.